maudit voleur. Ah, cette satanée ville finira par me tuer. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé ? J'ai été détroussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre ? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanach. Mon tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Etam Kenway. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous ? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique, là-bas. Bon. Une rencontre intéressante. Qu'est-ce qu'il vous faut, mon ami ? Place aux affaires. Monsieur Désir ? Qu'est-ce qu'il vous faut, mon ami ? Place aux affaires ! Qu'est-ce qu'il vous faut, mon ami ?
les hostilités redoublent sur la frontière, alors que les forces françaises et britanniques cherchent à s'allier les Indiens. A-t-il besoin d'une arme ? Une nouvelle de France ! Le baron de Montesquieu, penseur et écrivain politique, est mort... Nous allons au Green Dragon, une taverne. Ses propriétaires sont excentriques, mais discrets, et leurs chambres sont grandes. T'a-t-on appris la raison de ma présence à Boston ? Non. Master Burt m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits ? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que sais-tu à son sujet ? Fort peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Les machinations sont faites dans l'esprit malfaisant.